Alors, Raphaël, un épisode un peu spécial parce que c'est ta moto qui est à l'honneur. Mais en l'occurrence, ta moto, on l'a déjà essayé, non Alors, déjà, il faut savoir que c'est un épisode anniversaire, Pierrick. On a déjà fait les 1 an. On a déjà fait les 1 an, mais ce qu'on n'a pas fêté, c'est les... les 50 000 abonnés ah, de la découverte. tu n'allais pas me le sortir. Quoi. Mais non, mais tu es sur Instagram en permanence. Tu regardes, tu comptes 14 000, 15 000. Mais on a 15 000 sur Insta. 15 000 sur Insta, 50 000 sur YouTube et Facebook, on doit être à 12 ou 13 000. T'es sûr qu'on n'est pas mieux qu'Insta c'est mieux Facebook. Non, j'aime pas, je ne même pas les messages. Bon, en tout cas, 50 000 abonnés, franchement, un grand, grand, grand merci. Parce que nous, on pensait y arriver en, je sais pas, 5 ans 10 000 par an euh, Oui, alors moi j'avais dit, hein, euh, que si on ne faisait pas 10 000 la première année, je risquais quand même de me décourager. Ouais, bah non, première année, euh, on a passé l'anniversaire à 40 000 à peu près. Et aujourd'hui, on est en septembre et on est à 50 000. Et donc euh, le but, c'est d'arriver à 100 000, évidemment, d'avoir le petit panneau euh, YouTube derrière. On n'en est pas là. Pour, en tout cas, là, on est super content de 50 000 abonnés. Ça nous donne évidemment beaucoup de possibilités. Quand on appelle Yam, on peut avoir la 125YZ 2022. Euh, quand on appelle un, un collègue qui a une vieille moto vintage, bah, il dit oui. Donc plus on a d'abonnés, bah, plus c'est facile de tourner les épisodes, tout simplement. D'où l'objectif des 100 000. C'est pour nous faciliter la vie. Mais par contre, pour atteindre 100 000, il faudrait qu'il y ait des carottes. Et déjà, en l'occurrence, là, 50 000 abonnés, c'est un truc de fou. Pour l'anniversaire, on a fait gagner une moto. Donc, c'est Aurélie qui a gagné la YCF. Elle a été livrée la semaine dernière, donc là, elle doit sûrement déjà rouler avec. Euh, Aurélie qui a gagné la moto. Et en l'occurrence, on l'a en photo, Aurélie. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire gagner après une pit bike Enfin, j'aurais le quand même quasiment 1500 euros. Euh, on s'est dit qu'on voulait peut-être faire mieux. On voulait marquer le coup, parce que 50 000, c'est quelque chose de, de, de fort. Et on s'est dit qu'il bah, fallait donner quelque chose à laquelle on tenait particulièrement. Ouais. Et c'est pour ça que je me suis sacrifié. Et donc je t'ai appelé, et je t'ai dit écoute Pierrick, euh, j'ai vraiment envie qu'on passe un cap et qu'on fasse gagner une vraie moto, faire un tirage au sort pour gagner une vraie moto de cross. Voilà. Et La tienne et... est spéciale. Donc c'est une 450 CRF 2011, c'est celle avec laquelle qui Windham, eu de Windham Roulet. Elle est évidemment toujours aussi performante quasiment que les machines d'aujourd'hui parce qu'on a vu qu'elles ont peu évolué, grosse fourche, cadre alu, 450 cm3, on a refait le moteur cet été à 9 boîtes, cylindres, pistons, histoire que la personne n'ait aucun problème avec ta moto. Non, alors c'est une moto qui n'a même pas 80 heures, hein. donc elle est de 2011 certes, mais elle a très très peu roulé. Elle a un embrayage recluse. Une sorte d'embrayage automatique, donc tu Alors peux t'arrêter et ça. repartir. Elle a le système complet, hein, donc en fait tu peux tu peux partir sur le circuit, mettre la 2, la 3, et puis tu touches plus à rien, tu peux t'arrêter en 3 sans prendre le levier, repartir. En fait c'est comme une Piwi 80 qui aurait un peu plus de chevaux. Donc ça c'est génial pour les mecs qui commencent la moto euh, ou qui font de l'enduro, euh, c'est vraiment génial ça. Donc c'est vraiment la moto pour débuter, la moto du mec qui veut pas performer mais plutôt ne pas caler. Ne pas tomber, ne pas ne s'embêter. Pas oui. Et puis bon, il y a quand même moyen d'aller vite avec. Hein. Elle est belle, on l'a toute refaite avec un kit déco et test. Alors sur les images vidéo, là vous la voyez noire, mais euh, elle, sera, euh, bah, elle sera... Elle sera offerte avec le, avec le kit déco rouge et le kit déco noir dans un carton. Euh, cette moto, elle coûte combien aujourd'hui Ça coûte euh, à peu près 4000 euros, une moto en très bon état de 2011 Alors déjà, c'est très très dur d'en trouver en bon état de 2011. En principe, moi, ce que j'ai vu sur le Bon Coin, c'est qu'il y en a beaucoup entre 3005 et 3008, mais euh, souvent, c'est des motos qui ont beaucoup d'heures, qui n'ont pas forcément été bien entretenues, qui ne sont pas refaites. Non, là, franchement, la mienne elle est dans un état quand même qui est... Qui vaut les 4000 oui. Ah, oui, largement. Oui. Alors... Pour ce faire, on a décidé de faire un, une sorte de tirage au sort. Euh, on a décidé de fabriquer un t-shirt exprès. Hein, ouais. la... C'est ça, c'est un modèle, euh, modèle unique. On l'appelle le RS11, hein, Raphaël Sose 2011, pour ta 450. Voilà. Donc c'est vraiment le modèle RS11. On va le retrouver donc sur le site mxtest.fr. Ouais. Okay. Et alors, quand on achète ce t-shirt, il coûte combien il coûte 29 euros... Comme euh... les autres. Oh, sinon, on peut le mettre à 80 euros si vraiment on veut se gaver. Non, t'es con. <laughs> donc le t-shirt coûte 29 euros. Comme les autres. Comme les autres, c'est ça. Par contre, celui-là, contrairement aux autres, bah, il est magique. Est, exactement, donc c'est un billet de loterie. Donc on va réunir un maximum euh, de noms, de prénoms, d'adresses, et on va faire un tirage au sort dans exactement un mois. Un mois. Mais on va le faire en présence de tout le monde, c'est ça Ouais, ce sera au Dirty Days euh, de Ouest, c'est ça, si je ne me trompe pas. À Château, à Château Gontier. Donc il y aura à peu près 100 personnes. Ouais. On aura une grosse malle avec tous les noms dans la boîte. Et on va tirer au sort un vainqueur qui aura la 450. On lui remettra soit pour un Dirty Days en Provence, ou soit le mec habite pas très loin, ou on le rencontre sur un tournage. Mais en tout cas, ça, ça fera plaisir de, bah, de donner une moto donc à 4000 euros pour un achat à 29 euros. Alors, ce qui est marrant, c'est que même si on ne veut pas la moto, rien que ta paire de calpiers titane à 240 eh ben oui, euros, clair. ça vaut le coup. Donc, si vous avez une 450 CRF 2021 et que vous voulez des calpiers titane, vous avez juste à acheter un t-shirt euh, à 29 euros et autant vous récupérez les calpiers, puis l'autre, bah, le reste, vous mettez à la déchetterie. Alors, c'est un peu dommage, hein, mais franchement, rien que les pièces qu'il y a dessus, elles, elles sont sympas. Alors, il faut le dire, Pierre, qu'on a un objectif de vente de. 2 à 300 t-shirts, on serait très content si on arrivait à faire ce chiffre. Voilà, En dessous de 200 t-shirts, euh, on annule la vente et on rembourse les personnes. Voilà. Parce que, évidemment, euh, on, on, ça nous ferait la moto à, à moins de 1000 euros. Donc, ce serait un chiffre. peu dommage. Donc, euh, notre objectif, c'est que on valide le, le concours à partir de 200 t-shirts. Voilà. Si on a plus, euh, si on a à peu près 300... Ben, 500... On retombe sur nos pattes, on va dire. Voilà, exactement, ça fait à peu près 3500 euros. Par contre, si on vend beaucoup plus de t-shirts, euh, les gens pourraient se dire, ah c'est bon, on partira partir au baléar. Et ils auront raison. Exactement. Turquoise, <laughs> euh, on vivra notre meilleure vie. Non, le but de toute manière, c'est de, sur les Dirty Days, c'est de vous faire euh, régulièrement essayer des nouvelles motos. Donc l'argent qu'on gagnerait en plus servirait à racheter une autre moto ou d'autres pièces pour équiper les motos du Dirty Days. Donc si on rachète une nouvelle moto, ça veut dire qu'on n'aura plus de place dans le camion euh, à, à partir du mois de décembre. Non. Donc il faudra en f... Il va falloir libérer une place, Pierre. Ouais, mais il n'y a plus qu'une après. Eh oui, mais. La mienne Eh oui. Avec les suspensions usines Eh oui. Oh, alors, bah écoutez, si vous voulez la mienne avec les suspensions usines en décembre, bah, il faut que la sienne, elle parte. Pour que la sienne, elle parte, il faut qu'on vende au minimum 200 t-shirts. Donc le t-shirt, vous perdez rien parce qu'il est canon. Ouais, et puis ça fait quand même une chance sur. Allez, une, une chance sur 200 ou une chance sur 300 Ouais, pas le... par rapport à l'euro million où tu as une chance sur je sais pas combien de millions ouais, ouais, donc là il y a quand même de grandes chances que vous puissiez le remporter si vous achetez plusieurs t-shirts vous avez évidemment plusieurs billets oui, Bien sûr. Sûr. Okay. Euh, vous serez invité au Dirty Days donc si vous gagnez la moto ben, vous êtes invité le week-end complet ouais, pour venir rouler euh, avec nous assurance, terrain euh, la fête, les cadeaux et puis vous serez la star du week-end parce euh, que oui. vous, allez vous allez venir avec une petite voiture et vous allez repartir avec la remorque avec la 4h. Oui, alors on n'offre pas de remorque. Hein. Non, la moto, voilà, exactement. Alors vous repartez avec votre voiture et la moto sur le bord. Si vous, vous venez en trafic, voilà. vide, juste l'équipement, et vous repartez avec le trafic plein. Tu vas pas être trop triste Écoute. Euh, tu l'as gardé longtemps Je l'ai gardé longtemps, puisque je lui ai en 2013, elle avait 20 heures. Elle était quasi neuve. Et donc, oui, c'est ma moto de cœur, c'est la moto que j'ai gardée le plus longtemps, c'est la moto. Euh, si tu veux, euh, je l'ai jamais, jamais remplacée parce que j'ai. Et pourtant, on en a essayé des motos, hein. Ouais. Mais je la trouve très bien, je la trouve maniable, je la trouve puissante, je la trouve facile, je la trouve accessible, je la trouve prévisible. Donc je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je vais acheter à la place Franchement. Après, bon, je mets un petit bébon là-dessus. Je pense aussi parce que c'était celle avec laquelle tu allais le plus vite. Parce qu'il y en a plein qui t'ont tapé dans le cœur, mais tu t'es dit, ah, au bout de trois tours, je ne pourrais plus. Ouais, et ça, c'est vrai aussi. Ou alors, je vais aller à la faute. Ou alors, c'est le circuit un peu compliqué, je arriverai pas. Et la tienne, elle te permettait de rouler, certes, bien, mais surtout longtemps. Oui, c'est vrai. Ouais. Elle aura jamais fait de course avec toi, la pauvre. Eh non, elle n'aura jamais fait de course. Ah, oh, c'est triste. Par contre, elle connaît <laughs> par cœur, euh, elle connaît euh, Parker, le circuit de Châteauneuf. Ah, on peut rouler à Châteauneuf, euh, euh, cruise control. Tu euh, fermes les yeux, tu tapes sais sur le bouton, euh, ça, ça va tout seul, quoi. Bon, c'est super sympa. C'est super excitant, je trouve. Et juste pour le moment du gars, quand on va lui annoncer qu'il a gagné une moto en échange d'un t-shirt, juste pour vivre ce moment, je, je trouve que c'est dingue. Euh, Je ne le ferai pas avec ma femme par exemple, mais là pour une moto. <laughs> on... À la limite, le seul truc que tu ne regretteras pas, c'est parce qu'il y a eu un petit déclic aussi ce week-end. Parce qu'au moment où on a pris ah. la décision, au moment où on, on a annoncé à tous les gens du Dirty Days un petit peu en avance, il y a deux jours, ouais. que tu allais mettre justement à la loterie ta moto, il y a quand même eu un gros coup de cœur aussi. Un possible retour un peu au deux temps. Oui, la nouvelle moto qui vient d'arriver dans la, dans la famille MX-Test, euh, ouais, elle, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Et d'ailleurs, hein, je te l'ai dit aujourd'hui. Hein, Est-ce que, est que, que je peux, peux la ramener Est-ce que je peux redescendre avec euh, J'ai évidemment dit non. Oui, parce qu'il voilà, faut savoir que Pierrick est très méchant avec moi. Exactement. Euh, bah, C'est parfait. Bah, en tout cas, moi, je souhaite qu'elle parte. Parce que même si on vend que 200 t-shirts, ça ne fera pas cher. Mais quelque part, ça sera notre, notre cadeau un petit peu. Euh, et puis, s'il y en a plus, bah, vous aurez d'autres cadeaux. C'est évident. Voilà. On a commencé les jeux concours hein, maintenant sur Instagram. Ouais, alors des être, maillots, euh... on a de plus en plus de partenaires et tout. Ça va être sympa ça. Voilà, ce sera le lundi. On va essayer de le faire presque tous les lundis ou alors ce sera un lundi sur deux. Euh, donc il va y avoir euh, pas mal de maillots comme on en a fait gagner un ouais. la semaine dernière. Il va y avoir des casques, il va y avoir des masques, euh, il va peut-être y avoir des bottes, il va peut-être y avoir. Qu'est-ce ouais, euh... qu qu'elle qu qu nous, qu qu nous dit Jamais sucer. La Ah oui, jamais sucer la moto de... de Raph Ah oui, c'est vrai. Elle mange, c'est mort. Elle mange chez moi. Oui. Elle a Tout raison. Bravo, Lucie. Oui, jamais sucé. Hein. Ouais. Comme dit Lucien, elle n'a jamais sucé. Ça veut dire qu'on ne l'a jamais craché. Un petit regret quand même si on n'arrive pas aux 200 t-shirts. Parce que quand l'autre enculé est dans il vend <laughs> je ne sais pas combien de t-shirts pour offrir une M3 et une M4. Si nous. <laughs> je vais le laisser. Non, mais si nous. <laughs> tête de si nous, avec 50 000 abonnés, on n'arrive pas à offrir ce 450 CRF, je ne m'en remets pas. Écoute, euh, ben, au moins, on aura essayé. Mais voilà, moi je trouve ça bien. Personne l'a trop fait en tout cas en France d'offrir une moto de cross comme ça euh, contre un t-shirt. Bah si, Lucien l'a fait du coup. Oui. Lucien mais comme a on n'a pas de personnalité, on s'est dit qu'on allait faire pareil. Oui. Non, mais moi j'y crois. Je pense que ça peut être pas mal. Je pense que ça va être rigolo. Oui. Et j'aimerais que ça tombe sur quelqu'un qui est fan de la mix test qui adore la moto et qui a peut-être pas les moyens de s'acheter une moto. Oui. Bah faut pas ça, tu le sais. Justement, Lucien la boiserie te l'a dit. N'espère pas que ça soit un mec super cool qui la gagne, parce que tu vas être déçu, autant c'est quelqu'un qui va la revendre juste après. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Lucien, hein, si vous gagnez l'M4, euh, revendez-la, faites un business, euh, bon, faites oui, une maison, que ça maison, serve à quelque chose. Ben que ça serve à quelque chose. Euh, donc, non, on ne s'attend pas à ce que la personne fasse du croissant à fond, si c'est le cas, tant mieux. Par contre, on vous promet que si c'est un connard, on vous le dira aussi. Ah oui bah oui, si c'est un connard, on pourra faire une petite story, bah, on sort du truc, franchement, c'était pas cool, c'était un gros con. Vivement la prochaine. Voilà. Bon, bah super. En tout cas, bah, j'ai envie de dire qu'on se retrouve euh, dans un mois, quasiment, oui. au Dirty Days euh, de Château-Gontier. Hein, c'est situé entre la Normandie, la Bretagne euh, et le pays de la Loire. On va faire un, en pleine nuit, en plus, hein, vers, vers 22h. On va faire le tirage au sort euh, qui sera filmé, euh, ça sera quelqu'un du public qui va tirer au sort. Ouais. Et on vous mettra sûrement un live Instagram, euh, live Facebook, histoire de montrer bah, que c'est pas de la triche. Mmh. Euh, et, puis le, et puis voilà, que le meilleur gagne. Hein. Moi je suis très content. Je suis très excité et la moto sera nickel. On la mènera là-bas. C'est parti. Clip. Et puis le clip de ma moto, enfin tout le truc, ouais, moi en whip, oui, ouais, machin. Tu te main. rappelles un peu ce jour-là là, là le Guidon embuté sur les appels pop, de saut